Le CECN a été créé au sein du manège Mons en 2003, hein, puisque nous avons lancé ce quatrième département dans le manège Mons en 2003, avec un fort focus sur la pédagogie et la résidence de l'artiste. C'est vrai que depuis un an, on a remis en place une ligne éditoriale qui est justement sur les processus de création et sur la publication de documents d'archives. On embrasse en fait toute une réflexion sur différents artistes qui ont travaillé sur les LED et qui ont également eu avec Agi Weisbach, etc., qui se baladent à la fois dans le monde du théâtre, mais également des expositions. Et du coup, il y a quelques documents assez rares. Et c'est toute une filiation autour de ce qu'est les lumières, avec un grand S, et également comment l'éclairagiste devient également artiste, pointeur, et comment en fait ça... La lumière est plus qu'un détail, mais vraiment le corps même par moment du spectacle.